Yes, hey, j'ai une question pour toi. T'as-tu un personnage préféré que t'aimes faire en impro? Ben oui. Lequel? C'est Rico de Stéphane Rousseau. Ah oui? Puis qu'est-ce qu'il fait lui en particulier? Il séduit les femmes. Oh, est-ce que t'es capable de faire ça? Ben oui, yes, Rico. Quand tu seras prêt, tu nous montreras, OK? Bye, bon, bon match. Merci. Ouais. Bon. Aujourd'hui, je vais te mettre ça à tes mains. Ah, oh, chasse à ta vie, mon gars! Ah, oh, oh, ouais, les gars! Ah, ouais, les gars! Oh. Hey, t'as sauté pas, mais tu me baises la tête, là, excuse-moi, tu t'as perdu, moi! Hey, Alexandre! Oui? Hey, j'ai une question pour toi. Est-ce que la foule t'influence vraiment dans tes impros, toi? D'une manière, oui, parce que quand je fais rire le public, ben, ça me donne encore plus de confiance en moi, puis ça me procure une énergie pour faire rire plus. OK. Et puis, ça arrive souvent que les gens rient quand tu fais une impro? Assez oui. Ben, ah. C'est mon but. Good. On va voir ça ce soir. Bon parfait. Match. T'as pas vu ma femme, hein? Toi, t'es une pièce de femme. Salut, chérie! Hey, Isaac! Quoi? Es-tu capable, toi, de me nommer 7 pénalités dans l'impro? Ben oui, je suis capable. Vas-y. Il y a cabotinage, accessoire illégal, vulgarité inutile, non-respect du thème, non-respect de la catégorie, et puis finalement, Il y a celle que tu te souviens jamais. Eh hey, ben, ouais, je te remercie. Bon match! Bye! Stop, stop, stop! Ouais! Tu comprends? Non, mais là, c'est vrai que c'était juste un petit accident. Moi, dame! Hey, Marc-André! Ouais? Hey, une petite question vite vite. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour t'améliorer en impro? Ben, moi, tout seul, de chez moi, je pratique ma voix. Je fais des personnages, tout ça. Puis, avec Jérémy Breton, des troubadours, des fois, on fait des impros dans la vie. Genre, on arrive, hey, DJ! Puis, on passe ça, une impro de même. Puis, c'est tout. Good, merci. Ben, bon match. Hey, l'impro pour toi, ça t'apporte quoi dans le fond? Ben, ça m'apporte la confiance en moi, puis ça m'aide à me déjeuner dans la vie tous les jours, là, parce que la scène, c'est le fun, là, ça t'apporte de l'adrénaline, puis ça m'aide à y aller à fond. OK, ben merci, bon match. Rien. À quoi penser à l'attacher au lit et à. À manger les cordes! Roxane! Salut. Oui, salut. Hey, t'as-tu un joueur adverse que t'aimes beaucoup improviser avec? Oui, ben j'aime bien travailler avec Marilyn de l'équipe des Troubadours parce que je trouve que ça me met plus à l'aise puis on s'entend bien quand même. Fait elle a des bonnes idées puis ça m'aide à bien performer. Ben bon match! Merci! Hey, bougez pas, on va vous tirer, vous autres! Salut! J'ai une petite question pour toi. Et qu'est-ce que tu observes chez un joueur adverse? J'observe s'il parle assez fort et s'il fait avancer l'histoire. Good, merci. On va t'attendre. En attendant, tu veux chanter bonne fête, là? Oui! Ah, ouais, ouais, bonne fête, ouais, c'est bonne fête, ça. Bonne fête! On s'est fait demander une chance! Donc, Miss Taina. Hey, y a-tu une catégorie d'impôts que t'aimes le plus? Oui, moi, la catégorie d'improvisation que j'aime le plus, c'est entrevue parce que ça me permet de bien gérer la situation quand j'embarque en tant que journaliste. Good. Oui, Edouard, comment t'as senti avant un match, toi? Vraiment stressé, mais tout de suite après la première impro, tout va bien. Tout va bien, donc aucun problème. Ouais. Excellent. Merci, bon match. Merci. Je suis assez! Mais, c'est pas oublié les bagages! Oh non, j'ai dû les laisser dans ce tabac. Est-ce que c'est pas oublié? Oh, qu'est-ce que je fais cette salle? Oui, Jade. Est-ce un joueur que tu redoutes le plus? Ben, en fait, j'en ai trois. Samuel Vincent, Dominique Bond puis Alexandre Dupuis-Mainville. Oh, OK. Bon, ben bon match. Merci. Good. On fait un deal, OK? J'ai pas mis de déo depuis 3 semaines. Vous avez pas vos cartes, je lève mes bras. Simon? Ah oui? Oui, je voulais juste savoir, est-ce que t'as un rituel avant un match? Ben moi, c'est un rituel un peu bizarre, je me frotte frénétiquement les genoux comme ça. OK, est-ce que ça fait de la statique? Ah, ça fait beaucoup de statique, puis j'aime bien ça. Ah, t'es un gars branché.
J'ai le goût de te slugger avec! Hey, non! Ah ben, tu mets ça dans le morceau de côté. Ouais, vas-y, c'est tout scrapé. Dan, une question vite. Y a-t-il un humoriste québécois que t'aimes beaucoup, qui t'inspire? Ben oui, y aurait peut-être Philippe Laprise, là. Y en a plein d'autres, là, mais... Puis pourquoi Philippe Laprise? Parce qu'il y a un bon sens de l'humour, monsieur. Good. Aïe, bon match. Merci. Ma petite fille, j'ai hâte de manger ton gâteau! Chérie, tu donnes où le gâteau? Oui, hey, Marie-Soleil. Oui? Peux-tu me dire un peu les noms de l'équipe de la Ligue, s'il te plaît? Il y a Saltimbanque, Ménestrel, Battleur, Troubadour, Forain et Turlupin. Good, je te remercie. Bon match. Merci. Mais chérie, t'as juste à donner les bobettes? Ah ouais, on avait dit juste à nécessaire. T'as pas envie de ton maillot de bain? Ah non, je m'appelle toujours à ma mère. Excuse-moi, Samuel. Oui, oui. Une petite question de même. Quel genre d'impro redoutes-tu le plus, celle que t'aimes le moins faire? J'aime le... Ben, personnellement, moi, c'est surtout les chanter parce que on peut. Je suis conscient que ma voix, c'est peut-être pas la meilleure pour chanter ou je suis pas très bon, mais ça reste que ça me dérange pas tant de chanter parce que même si j'ai de l'air ridicule, ben, ça rajoute un petit côté humoristique à l'improvisation puis ça me dérange pas d'avoir de l'air fou devant tout le monde. Good. Je te remercie. Dernier bain, Matt, tu m'écoutes tout le temps. Excuse-moi, Jérémy. Un caucus, ça va un impro important ou pas? Ben moi je trouve ça important, ça me permet de me focusser sur mes personnages puis sur l'histoire que je vais raconter dans l'improvisation. Good, mais je te remercie. Ouais. Oh, wow, quel méchant! Je suis déguisé en lion, ça verrait-tu? Hey, wow, t'as pas idée à quel point ça coûte cher cette crinière-là. Check, c'est du naturel! Excuse-moi, Marilyn. Oui? Petite question comme ça, le rôle de la femme en impro, c'est quoi dans le fond? Ben, c'est sûr que les personnages qu'on a à jouer sont beaucoup stéréotypés, puis il y en a moins que des personnages de garçons, mais c'est quand même vraiment le fun à jouer, là. Excellent, je te remercie beaucoup. Hey, Olivier! Ouais? Hey, deux petites secondes. Hey, pour toi, un bon joueur d'impro, là, c'est quoi les deux critères les plus importants? Un bon joueur d'impro, ça participe des caucus, ça donne toutes ses idées, puis ça l'aide beaucoup, parce que ça fait la différence dans un match. Puis ça se cherche pas juste à faire des punchs, ça l'écoute l'impro quand c'est sur le banc. Puis si jamais il y a une occasion d'avancer parce qu'il voit que ça tourne en rond, ben il arrive, puis il fait avancer l'histoire avec un call, quelque chose comme ça, puis c'est ça. Good. Hey, ben je te remercie. Bon match. Merci. Étonnant! N'étaient pas satisfaits! Ils ont décidé de faire d'autres progénitures. Et puis, le jour vint où le gâteau fut mangé. Donc, je passais en dernier. Plus le droit d'écouter la télé parce que monsieur voulait écouter les petits bonhommes. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Non! Faut dire non! 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 J'ai rien fait, là! Hey, Jordan! Ah, oui? Ah, petite question comme ça. Y a-t-il un humoriste que toi tu considères qui t'a vraiment motivé à devenir un improvisateur? Ah, ben moi, ce que je te dirais, ça serait les Denis Drolet. Denis Drolet, que j'ai trouvé d'un côté, il était différent des autres, pas du stand-up classique. Eux autres, c'était l'absurdité, puis ça m'a vraiment inspiré. Ils étaient eux-mêmes. Peu importe si le public était comme, ah, oh, ils sont dégueulasses un peu, ils vont trop loin. Et non, eux autres, ils ont continué leur absurdité, puis c'est ça qui m'a poussé à aller plus loin. Même la gêne, là, j'ai réussi à la passer, puis je suis là grâce à eux. Good, ben, bon match. Merci. Je vais tout arranger ça, ton passé simple, là. Attends, justement, t'es là à travailler, mets-toi en équipe de deux.
Oh, hey, Lara! Oui? Hey, peux-tu juste me dire en quelques mots, comment tu peux te décrire en tant que joueuse? Une joueuse dynamique, sympathique, qui installe l'histoire. Finalement, moi, je pense que c'est ça. Good. Mais là, je vais te laisser, faut que je retourne à mon caucus. OK, good, bye. Bye. Oh, hey, Dominique! Oui? Oui, excuse-moi de te déranger. Toi, là, dans le fond, là, c'est quoi ton genre de catégorie d'impro le préféré que t'aimes le plus, là? Ben, moi, je dirais que c'est les taxis. Okay. J'aime bien faire les chauffeurs puis les passagers, je suis bien à l'aise avec ça. Good. Ben là, on est en plein caucus. Ah, OK, excuse. J'ai jamais vu! Yo! Alors, voyons, je t'entends! Il y a quelqu'un à faire, mon président! Ah ouais, j'ai la... Caroline! Oui? Toi, à quoi tu penses avant un match, là? Avant un match, dans le fond, j'essaie de penser au moins de choses possibles, mais je te dirais que je pense à la réaction du public à mes blagues, puis malheureusement, ben, ça se passe jamais comme dans ma tête. Mais là, faut vraiment que je retourne à mon caucus, parce que sinon, ils vont être fâchés. Les gens autour de vous, ils sont... Les gens autour de vous sont plus capables d'en prendre! Dites non! Dites non, mon intimidation! Il faut arrêter! C'est maintenant que ça se passe! Ouvrez les yeux! Dans les écoles, tout le monde souffre! Oh, hey, Charles-Antoine! Oui? Hey, excuse-moi, peux-tu juste m'expliquer en quelques mots à quel genre de joueur t'aimes faire face, toi? OK, ben j'aime ça quelqu'un de créatif, aussi d'humoristique, mais surtout qui permet de faire évoluer l'histoire, tu sais, qu'on s'amuse, puis c'est pas une compétition. Good. Donc, hey. Je vais retourner. All right. Oh, hey, Xavier! Oui? Toi, dans le fond, y a-tu une personne qui t'a inspiré à faire de l'impro? En fait, oui, c'est Dominic Bond. Ouais, lui, il m'a dit, viens-t'en, je veux absolument que t'essayes. Et puis, non, je suis venu. C'était bien de fun. Mais je vais retourner au caucus, ça t'arrange pas. OK, c'est bon, OK. Hey, Noémie! Ouais? Oh, excuse-moi de te déranger. Hey, c'est quel genre de catégorie de, d'impro qui t'inquiète le plus, toi? Ben moi, c'est plus la chanter parce que je sais pas toujours quel air mettre dans mes paroles pour continuer l'impro. J'ai trop peur de me tromper et tout, donc c'est ça qui m'inquiète le plus. Puis là, je pense que je vais y retourner parce que mon équipe est là. OK, bye! Rapport à vous, c'est la plus grosse part! Mais non, c'est celle du milieu! Est-ce que vous voulez que je vous égorge avec le couteau? Ça pourrait faire du glaçage. Oh, hey, Josiane! Ah oui, salut! Excuse-moi de te déranger. Hey, pour toi, là, ça t'apporte quoi, l'improvisation? Ben, moi, ça m'apporte, ça m'aide à me dégêner, puis je voulais voir le feeling que ça faisait, l'impro, savoir comment que c'était travailler en équipe soudée. Mais là, je dois te laisser parce que notre caucus va bientôt finir. Good, bye! Bye. C'est qui cet inconnu-là dans la maison? Je t'ai dit de pas parler aux inconnus! Hé là, moi t'écœurée, bouge plus là, bouge plus, je t'écœure! Hé là, moi l'espace là, là! Arrête, s'il te plaît! Oh, hé, hey, excuse-moi, Anne. J'aurais une petite question. Y a-t-il un type de pénalité qui est plus difficile à juger? Moi, je dirais que c'est des confusions, parce que tu sais jamais si c'est toi qui a juste pas compris l'histoire. OK, je te remercie. Hé, hey, Clara. Excuse-moi, j'ai une petite question. Y a-t-il une raison pour laquelle que tu travailles à la régie en particulier? Ben moi, la plupart du temps, je me retrouve surtout sur scène. Et là, je voulais voir de l'autre bord de la médaille. Mm-hmm. Puis j'aime bien avoir le contrôle sur l'ambiance de la salle. Good, je te remercie. Oui? Petite question, excuse-moi de déranger. Y a-t-il une raison pour laquelle que tu fais ce genre de travail à la régie, s'il te plaît? Ben moi, quand ma soeur l'a fait, ça, quand je l'ai vu faire ça, ça, j'ai tellement trouvé ça cool. Que je m'ai dit quand que je vais arriver sur mon I5, c'était sûr que j'allais faire ça puis que je voulais vraiment le faire. Good, ben je te remercie. De rien. Bye. Excuse-moi, Alexandra. Oui? Y a-t-il quelque chose qui te motive à faire ce que tu fais ici à la régie? Oui, c'est de mettre de la musique puis mettre de l'ambiance dans la salle puis voir que le monde réagit avec ce qu'on fait. Good, je te remercie. Merci beaucoup. Bye.
Hey, Isabelle! Dis-tu moi, plus à l'avant, plus la caméra est dans ma face. Hey, Marc-André! Ouais? J'ai le temps de te lever, finalement. C'est important que tu sois à l'attente dans les marches pour... Ah! Hey, je l'avais, j'ai juste... Ok, on recommence. T'es sûr? Là, tu sais que tu peux rester de même un jour, hein? Okay. Hey, l'important, là, c'est de participer, OK? Je suis en